Africaine du Millennium Challenge Corporation a séjourné au Togo. Cette mission, septième du genre, composée d'une délégation de 15 personnes, l'objectif de la dite mission est de parvenir à une compréhension commune entre les parties, les actions, mesures et délais de mise en œuvre des réformes dans les deux principaux secteurs retenus dans le cadre de la lettre des contraintes à la croissance économique, à savoir les technologies de l'information et de la communication, TIC, et la productivité et la compétitivité de la culture togolaise, y compris le foncier. Je suis très satisfait de ce point de vue personnel, parce que c'était lors de mon arrivée au Togo, en décembre 2015, que le Togo a été sélectionné pour le programme Threshold, le programme Seuil. C'était juste au moment de mon arrivée. En fait, ça, c'est l'un de mes premiers actes. J'ai eu le plaisir, avec M. le ministre, de faire l'annonce de cette bonne nouvelle qui marque une étape très importante dans les relations entre les États-Unis et le Togo. Après, on a lancé le processus de recherche et de collaboration entre les économistes pour étudier l'économie togolaise et trouver des contraintes majeures de la croissance économique. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter tous les membres du gouvernement togolais, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Excellence Monsieur le Premier ministre, tous les ministres, tous les membres du gouvernement, pour votre engagement, votre collaboration d'une manière très ouverte et très constructive. Ça a été une collaboration excellente pendant toute cette année. C'est un grand moment pour le Togo et ça arrive à un bon moment pour le Togo, ce programme. Parce que le Togo a besoin d'investissement. Le Togo a besoin d'attirer les investisseurs du secteur privé qui vont créer les emplois et réduire la pauvreté. Et ce programme est très très important parce que ça va faciliter les réformes très importantes qui vont encourager les acteurs du secteur privé de venir au Togo, d'investir. Et ça va promouvoir la prospérité au bénéfice de tous les Togolais. Donc c'est un grand jour. Je voudrais féliciter tous les acteurs, surtout Excellence Monsieur le Premier ministre. Merci de votre hospitalité et de votre engagement. Je félicite vous tous. Merci beaucoup. Après ce temps, nous avons arrivé à un point significatif avec une compréhension partagée sur une approche pour améliorer deux secteurs ciblés qui sont tout à fait importants pour la croissance accélérée ici au Togo. Le secteur de TIC et agricole foncier. Je suis très contente parce que ce secteur ne sont pas les petits secteurs, mais en réalité, ils sont les secteurs tout à fait pertinents à chaque citoyen du pays. J'ai un merci spécial pour tous les ministres ici, parce que pendant les derniers plusieurs mois, c'était tout à fait nécessaire de travailler sérieusement, de créer une approche ensemble qui peut accélérer et avancer le processus de réforme. Il me semble que vous et aussi nous sommes ensemble et
optimiste. C'est tout à fait important. On ne peut pas avancer sans l'optimisme. Je voudrais, s'il vous plaît, faire un petit résumé de notre vision de succès pour les deux projets. En ce qui concerne le projet de TIC, après 4 ans de mise en œuvre du projet, nous avons la vision suivante. Le régulateur de TIC a un conseil d'administration et possède une autonomie administrative et opérationnelle complète. L'organisme de réglementation publie un état de compte annuel vérifié de ses états financiers et de ses activités, y compris toutes les décisions qui lui ont été présentées. Augmenter l'utilisation des données mobiles à partir de zones d'utilisation. Pardon, des zones d'utilisation historiquement faibles. Valeur des nouvelles opérations de placement, un changement significatif. Et amélioration des indicateurs de prix et de qualité de service compatibles avec une concurrence plus efficace. Pour le projet de réforme foncière pour accélérer la production agricole, nous avons une vision de succès suite à 4 ans de mise en œuvre de ce projet. 1. Faciliter l'accès à la sécurisation des droits fonciers ruraux. Moins des conflits fonciers. Un code foncier réaliste et exécutable. Et enfin, la sécurité foncière se traduit en investissement agricole. La compréhension partagée n'est pas finale, mais aujourd'hui représente une étape tout à fait importante dans le processus. Nous sommes presque là, mais c'est nécessaire après aujourd'hui que notre comité d'investissement d'obtenir l'approbation de cette approche. Après ça, le conseil d'administration va obtenir l'approbation et après ça, heureusement, j'attends que nous allons être prêts pour la signature entre les deux parties, probablement au commencement du mois de novembre. Je voudrais conclure mes commentaires en disant que les deux projets et le programme en général, c'est un programme ambitieux. Il y a beaucoup de travail avant, il y aura les défis, il y aura les choix difficiles. Mais pendant cette mission, j'ai vu une seule chose tout à fait importante. Togo peut faire les décisions difficiles quand c'est nécessaire. Ça, c'est très important pour réussir. À cause de ça, nous avons beaucoup d'optimisme concernant l'étape aujourd'hui. Nous avons l'optimisme concernant le programme, l'optimisme concernant les résultats possibles et tout à fait l'optimisme pour le pays de Togo et les citoyens de Togo. Merci beaucoup. Je suis heureux de recevoir pour la deuxième fois au cours de cette semaine la mission
MCC, Millennium Challenge Corporation. Je voudrais, au nom du président de la République togolaise, Son Excellence Monsieur Faure Essozina Nyasimbe, au nom du gouvernement et du peuple togolais tout entier, remercier tous les membres du Millennium Challenge Corporation pour l'intérêt sans cesse renouvelé à notre pays. Déjà au cours de cette année 2017, vous avez effectué 3 missions dans notre pays. Mesdames et messieurs les membres du MCC, le président de la République togolaise et le gouvernement inscrivent l'éthique comme étant l'axe principal de la mise en œuvre des réformes entreprises du fait de leurs effets multiplicateurs sur les autres secteurs de l'économie. C'est en fait le moteur pour l'ensemble de l'économie togolaise, surtout à l'ère de la mondialisation. C'est pour cette raison que le gouvernement togolais a, avant même de rentrer en programme avec le MCC, a jugé nécessaire d'entreprendre des réformes dans ce secteur éthique. Pour ce qui concerne l'agriculture, elle joue un rôle essentiel dans l'économie de notre pays du fait qu'elle occupe 41,70% du PIB et de par cette production garantit la sécurité alimentaire pour notre pays. C'est pour toutes ces raisons que nous voulons mettre en œuvre toutes les réformes essentielles, à savoir l'élaboration du code foncier qui va être approuvé dans les semaines à venir par la représentation nationale afin d'en faire une des dispositions de l'arsenal juridique de notre pays. Ce code foncier, le code foncier qui va sécuriser la terre est un facteur essentiel, aussi bien pour les petits paysans que pour les opérateurs du secteur privé qui souhaiteraient investir dans l'agriculture. Surtout que, en ce moment même, le Togo est en discussion avec la BAD afin de développer le programme des agropôles et sortir de la phase actuelle qui est presque essentiellement consacrée à la production, d'aller vers la transformation pour donner une plus-value à ce secteur vital de notre pays. Mesdames et messieurs, je me réjouis des résultats auxquels nous sommes parvenus et qui augure des perspectives heureuses pour l'éligibilité de notre pays au programme Compact, si Dieu le veut, d'ici la fin de l'année 2017. Je voudrais ici réaffirmer l'engagement et la détermination du gouvernement togolais à faire de sorte que les conclusions auxquelles nous sommes parvenus
que nous puissions aller en profondeur et créer ainsi les conditions pour le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation au moment où cette institution va siéger pour délibérer sur le sort de notre pays, le Togo. Je reste convaincu que la volonté affichée par les deux parties est un gage pour que nous puissions parvenir à ce résultat qui va consacrer à la fois Madame la directrice programme Trésor et vous, Mesdames et Messieurs les membres du Millennium Challenge Corporation. Je disais, parvenir au programme compact serait le salut pour l'engagement que vous avez affiché jusqu'à ce jour, mais également la détermination dont fait preuve le gouvernement pour que nous puissions ensemble dire « all together » merci pour tous les efforts déployés dans le cadre de ce programme MCC. C'est sur cette note d'espoir qu'à la fin de cette année 2017, nous allons consolider notre partenariat que je voudrais, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, réitérer nos remerciements à l'équipe, à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo et au grand peuple américain qui, dans quelques mois, va manifester encore sa volonté lors du forum à Goa qui va se tenir dans quelques mois dans notre pays. Et je vous remercie pour votre aimable attention.